bien, maintenant qu'on a fait ce sanctuaire, on devrait avoir assez d'emblèmes du courage pour pouvoir aller récupérer un bonus d'endurance. Ah, je vais pouvoir lui atterrir dessus, non? Allez, c'est parti. L'autre, je pense qu'il est parti en attendant. Ouais, il doit être parti, donc on va prendre celui-ci. Bon, par contre, on est allé le bloquer dans un mur, le pauvre. Tout va bien, ne t'inquiète pas. Je te récupère, mon petit. Ouais, l'autre, il a disparu. C'est un peu normal. On s'attendait pas à ce qu'ils nous attendent. Bon, je vais ramasser ça, puisque de toute façon, c'est quoi ça? Des melons glagla. Toujours utile. Alors, lui, on va le dégommer. Ou pas. Il a eu le temps de prévenir tout le monde. Bah oui. Oh mon dieu. Là, il y a beaucoup de monde, là. On va pas se mentir, on a raté notre coup. Bon, attendez, ce qu'on va faire... J'avais pas encore fait le sanctuaire, quel idiot, j'ai oublié ça. Bah oui, si je fais pas le sanctuaire... Oh la vache. La vache, la vache. Quel idiot! Alors, est-ce qu'ils peuvent encore me tirer dessus? Non, ils sont partis. Mais oui, j'ai pas encore activé le sanctuaire. Le fail. Le magnifique fail. J'ai oublié que je m'y étais juste rendu, mais que je l'avais pas fait. C'est un peu débile. Donc du coup, voilà, on va pouvoir le faire. Heureusement qu'on s'en est rendu compte, hein. Heureusement qu'on s'est mis dans une situation pas possible. Voilà, bah maintenant, il va falloir que je le fasse. Du coup, ça veut juste dire que mon morse, en fait, il a même pas attendu que je sois dans le sanctuaire, il s'est juste barré, quoi. Sympa, le morse, c'est dire qu'on a payé pour ses services. Très bien. Toi qui as pénétré ce sanctuaire, Dakotawa te met à l'épreuve au nom de la déesse Ilia. Très bien. Circuit électrique, sanctuaire de Dakotawa. Donc il va falloir faire un circuit électrique. Non. Tu vas pas me tirer dessus. Ah mince, il va peut-être avoir le temps de me tirer dessus si je fais n'importe quoi. Arrête tes bêtises. Non mais. Je vais pas mettre cette arme. Plutôt celle-là peut-être. Ah. Ça, ça fait quoi? Ah. Il faut de l'électricité pour lui permettre de monter. Et du coup, mon épée est électrique. Ça, c'est assez drôle. Bien, ça, ça recharge ça. Et ça active la plateforme. Donc du coup, il faut que j'amène de l'électricité ici pour activer cette plateforme-là. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire ici? C'est à peu près tout, je pense. Très bien. Comment on va amener l'électricité là? Pour le moment, je n'en ai pas la moindre idée, mais on trouvera bien quelque chose. On va aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Donc là, il y a un câble, là, il y a ce truc électrique. À mon avis, il va falloir l'amener quelque part. Très certainement l'amener... Très certainement l'amener en face au niveau du truc, mais du coup, dès que je vais l'enlever, la plateforme va s'arrêter. D'accord, oui, bah la plateforme s'arrête. Forcément. Et du coup, jusqu'à quelle distance je peux l'attraper?
Pourtant, il me le faut, ce cube. J'ai peut-être une idée. Du coup, s'il est au milieu... S'il est au milieu, on devrait pouvoir le récupérer, non? Et est-ce qu'il faut que je marche là-dessus? On dirait bien, hein. Je sais pas si c'était comme ça que l'épreuve était pensée, mais... J'ai bien l'impression qu'il faut que je marche là-dessus. En évitant de tomber. Ce serait beaucoup mieux. Donc voilà, après, s'il y a une autre façon de le faire... Je serais curieux de le savoir. Alors peut-être... non. Oui, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment une autre façon de le faire. Vous, vous avez fait comment, pour le coup? Allez, hop, du coup, ça, on le récupère. Bon, du coup, maintenant, ça monte. J'espère qu'elle redescend, aussi. Oui, très bien. Elle redescend. Hop, le petit coffre. On l'a vu. Cimetière du clair de lune. Je crois qu'on en a déjà eu un comme ça. Je vais pas me mettre entre le cube et le truc électrique. Hein. Ce serait une très mauvaise idée. Alors, là, il y a quoi? Là, il y en a deux. J'ai pas envie de laisser mon truc électrique ici. Je sais pas s'il va encore nous servir, mais je vais pas le laisser là. Je vais pas le laisser là, bien entendu. Oh la vache. Je suis rassuré de savoir qu'il peut pas tirer à travers ça. Ah, je l'ai grillé. Ah, je les ai grillés. D'accord, le sol, c'est carrément une plaque métallique. Eh ben, c'est bon à savoir. Ça, on va le laisser là. On va pas essayer de s'électrocuter non plus. Très bien, c'est cool. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? Cœur antique, fruit des technologies anciennes aujourd'hui disparues. Ce composant servirait de source d'énergie aux machines antiques. Elle est d'une valeur inestimable pour les savants. Ah... C'est ça, les cœurs antiques. Bon, c'est électrique, mais on peut pas les soulever. Bah. Bah oui, si je saute... Alors, qu'y a-t-il ici? Le vide. Oh, la loose. La grosse loose. Je me suis jeté ici. Décidément, du coup, ça fait que confirmer. Est-ce qu'on était censé monter là-dessus? Je ne sais pas. Vu la galère qu'on a. Peut-être pas. Allez, tout droit, Link. Non! Très bien! J'étais sûr que ça finirait par arriver. À vouloir aller trop vite. Bien, je reprends ici. J'aurais espéré me retrouver de l'autre côté, mais bon. Par contre, pourquoi tu t'es allongé, toi? T'as pas besoin, hein. Enfin, allongé, accroupi, quoi. Allez, on avance tout doucement, plutôt que de se jeter dans le vide encore une fois. Faut rediriger notre perso... Oh là là, non, ne tombe pas, s'il te plaît, mon petit Link. Voilà. Bon. Par contre, maintenant, on n'a plus le cube. Oh, le fail. Bah oui, maintenant, j'ai plus le cube, donc... du coup, problème. Problème, problème. Très bien.
Très bien, c'est le fail. Bon, moi, je pense qu'il faut sortir du temple et essayer de le réinitialiser. Super. Bon, deuxième tentative. On a une meilleure idée de ce qu'on est censé faire, je pense. Très bien. Donc, tout d'abord, allez récupérer ça. Est-ce que les ennemis repopent? Visiblement non. Allez, allons récupérer ce petit cube. Hop. Ah, mais oui, d'accord, j'ai compris. J'ai compris l'autre technique pour le faire. Il y a bel et bien une autre technique. Et c'est juste moi qui ai fait n'importe quoi. Voilà la technique plus facile. Bah oui, c'est logique. Ouais, du coup, ça me paraît beaucoup plus logique. Voilà. Je me disais bien que c'était bizarre qu'il faille monter sur le truc. Ça me paraissait très étrange. Mon cube! Rendez-moi mon cube! Allez, remonte. Voilà, ça c'est à moi, je le garde. Ah mais c'est vrai que les ennemis sont plus là. Je suis bête. Les ennemis sont plus là, mais moi je marche dessus. Non mais n'importe quoi, quoi. Ce qui vient de se passer était tout à fait ridicule. On en conviendra. Bon. Numéro 3. Troisième prise. On va peut-être s'en sortir à un moment. Bon, déjà, on a trouvé une technique beaucoup plus simple pour traverser ce gouffre. Donc là, ça devrait le faire. Hein. Ça devrait être un peu mieux. Allez, viens là à la plateforme. On avance, on avance. Bon, je vais le rapprocher de moi. Pour pouvoir mieux le manipuler. Allez, avance. Hop. Tu tombes pas. Non! Ah non, tu vas pas repartir avec la plateforme, toi, je te le dis tout de suite. C'est quoi ce cube dissident? On a déjà eu assez de problèmes comme ça. Par contre, au niveau des coffres, d'accord. Tu restes là, mon grand. Du coup, on n'a plus besoin de lui. Enfin, on n'a plus besoin de lui au sol. Bon, je peux pas descendre parce que j'ai le cube, sérieusement. Oh, mais non, mais c'est pas vrai. Il était suffisamment prêt pour alimenter le truc alors que 2 secondes avant il l'alimentait pas quoi. Toi t'es vraiment le cube de l'enfer, tiens, reste là. Tu alimentes rien? C'est bien. Bon, cette fois-ci on va se méfier, regardons un peu ce qu'il y a autour de nous. Là c'est le trou de l'enfer. Ah. En cas de besoin, maintenant la plateforme remonte? D'accord. Pourquoi? Je ne sais pas encore. On va récupérer notre petit cube de l'enfer. Ne touche à rien, mon petit cube. Ah, bah on a bien fait d'avoir la plateforme. Par contre, le cube, il est passé où? Ah, il est tombé en dessous de la plateforme, d'accord. Ah, bien en dessous, en plus. Bon.
On a découvert quelque chose par erreur, parce que j'allais pas y retourner moi personnellement, franchement, j'y suis déjà allé une fois, c'est bon quoi. J'allais pas du tout retourner checker en bas. Du coup, c'est bien que le cube soit tombé. Rubis argenté! Ah bah c'est cool. Mon petit cube, tu es un génie! Je te fais confiance maintenant. Ce petit cube est mon nouvel associé pour trouver des trésors. Voilà. Ouais, je vais monter avec, hein. J'ai pas envie de rester l'éternité ici. Je sais pas pourquoi j'ai envie d'appuyer sur sauter au lieu d'appuyer sur saisir. Bon, du coup, on en avait encore besoin ou pas? Ça se trouve, on en a plus besoin du tout. Et je fais juste n'importe quoi. Ouais, ça a l'air encore grand, donc je pense qu'on a peut-être encore besoin en fait. Viens là. Rapproche-toi, mon petit cube, avant qu'il t'arrive des problèmes. Si la plateforme voulait bien monter. Voilà. Le sol est-il électrique? Bon, par contre, la caméra, si elle voulait bien ne pas s'affoler, ce serait cool. Bon, le sol n'a pas l'air électrique, c'est déjà une bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce qu'on a activé? Une autre plateforme, j'espère. Est-ce qu'elle va venir jusqu'à nous? Elle a l'air de vouloir venir jusqu'à nous. Très bien. Le long de ces chaînes, c'est cool. Elle fait une petite pause avant le gros cube, ça c'est cool aussi. Parce qu'effectivement, je me demandais comment on allait le passer. Par contre, tu fais une pause trop longue ici. Pousse-toi. D'accord. Oh, je vois. On l'a poussé, on va pouvoir récupérer ça. Cool. J'ai eu peur que la plateforme s'arrête pas. En fait, elle fait une petite pause. Bouclier du soleil, très apprécié tant comme objet d'ornement que pour ses qualités défensives, ce bouclier serti de pierres précieuses est réservé au capitaine et commandante Gerudo. Vous n'avez pas de place dans votre sacoche, comme d'habitude. Où est Noya quand on a besoin de lui? J'en ai deux, ça. C'est peut-être plus le bouclier Sheikah que je devrais jeter, mais je l'aime bien. Donc je le garde. Bon, maintenant, si la plateforme voulait bien revenir, ce serait génial. C'est classe. On est équipé comme un officier Gerudo. Allez, viens là, la plateforme. Non? Et à un moment donné, il faudra bien que tu viennes. Voilà, parfait. On va pouvoir finir ce temple qui nous a pris plus de temps que prévu avec tous ces nombreux fails. C'est bien dommage. En triomphant de l'épreuve, tu as prouvé que tu étais digne du titre de héros. Ouais, comme toutes les fois auparavant. Au nom de la déesse Ilia, reçoit l'emblème du triomphe. Merci, ça commence à être une habitude. Bien aimable à vous. Allez, donne-moi ça. Emblème du triomphe, et on en a enfin quatre. Mon devoir est désormais accompli, puisse la déesse Ilia te protéger dans ta quête. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on va retourner voir les Lysalfos, parce qu'ils étaient très nombreux, très énervés. Alors, on va aller voir si on peut pas faire une infiltration réussie cette fois. Ce qui serait un peu mieux.
Je vais escalader le crâne. Ah, d'accord, il y en a de tous les côtés. Il y en a de tous les côtés. Regarde ailleurs si j'y suis. Oh, ils m'ont tous entendu. Mais est-ce qu'ils vont me voir si je suis sur le crâne? Pas sûr. Je pense pas qu'ils m'aient vu. Par contre, il y a du monde dans les environs, hein. Est-ce qu'on pourrait l'avoir en pleine tête? Oui, on peut. Un garde de moins, c'est déjà bien. Deux gardes de moins, c'est encore mieux. Ah, mais il en reste plein. Un autre qui y passe. Et il en reste un là. Et après, tous ceux qui sont à l'intérieur qui sont beaucoup plus difficiles. Mais c'est déjà bien d'avoir nettoyé l'extérieur. Alors, à l'intérieur maintenant. Est-ce que je vais fail si je descends? Je vois pas si ces pierres sont en bas ou à mon niveau. Elles doivent être à mon niveau, non? On va tenter le coup. Parfait. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Maintenant, faut pas se louper. Exactement pas comme ça. Faites pas attention, c'est rien les gars, c'est rien, c'est pas grave. Bon. On n'y arrivera pas. Très clairement. Est-ce qu'on a été repéré par quelqu'un? Oui, je pense. Bon, on va mettre le grand bazar, hein. Si ça ne marche pas de façon classique, ça marchera peut-être d'une autre façon. Allez, descends. Peut-être que si je m'éloigne, ça passera mieux. Toujours pas. Eh ben. C'est certainement pas le talent qui nous étouffe, hein. Bon, on va tout faire péter. Hop. Décidément, cette stratégie n'est pas la bonne. Ça marche beaucoup mieux. Y a pas à dire, c'est nettement plus efficace tout de suite. Tant qu'il me voit pas, surtout, hein. Coucou, y a une bombe. Non? Bon. Ah bah j'en ai eu un. Il y a encore une bombe. Oh lui il a été projeté. La grande classe. Bon là ils m'ont vu par contre. Plus de flèches. Tant pis pour vous. Bam! Désolé, il le fallait. C'est beaucoup plus drôle comme ça. T'es sûr que tu veux t'en revenir encore? Ah, juste, je l'ai raté. Bon, maintenant il est trop loin, j'ai l'impression. T'es sûr que tu veux pas te rapprocher, hein? Non? Ah mais je l'atteins plus, hein. Ça ne sert à rien. Et maintenant on a froid, eh ben. C'est sûr qu'on a passé du temps là-haut, hein.
Bon, si l'autre voulait bien revenir, ça m'arrangerait parce que j'ai pas envie de descendre et qu'il me surprenne pendant qu'il est tout là-bas, là. Allez, tu me vois plus, reviens. Voilà, parfait. Tu peux revenir maintenant. Bon, ma stratégie n'a pas très bien fonctionné jusque-là. Comment on va faire? Je veux vraiment faire passer une bombe à l'intérieur. Ils m'ont vu ou pas? Ils m'ont pas vu. Si j'arrivais à faire passer une bombe à l'intérieur, ce serait génial. L'angle est mauvais. Presque. Pourquoi ils se battent? Oh là là, non, ne tombe pas. Ne tombe surtout pas. Ah! Ça a plus ou moins marché. Pas de la façon dont je le voulais, mais... Qu'est-ce qu'on a fait péter? Un peu tout, j'ai l'impression. Il en reste plus que trois. Mais les trois plus forts. Donc on va les faire sortir, hein, si on peut. Allez, venez les gars. On va quand même pas y passer la nuit. Je suis là. Non? Bon. Tant pis. Si vous imitez pas du vôtre, moi j'y peux rien. Donc bon, on va faire ça à la déloyale. De toute façon, on allait faire ça à la déloyale quand même, mais bon. Allez. Ça pique, hein? Toi, reste là. Oh, non, sortez pas par les fenêtres, s'il vous plaît. Restez là où vous êtes. C'est beaucoup mieux. Allez, encore une. Ça devrait le faire. Il y en a un qui est pratiquement mort. On va falloir se méfier quand même. Il m'a pas encore vu. Cool. On a fini par y arriver. C'est incroyable. C'est un miracle. Pfiou. Bon, qu'est-ce qu'il y a là? On sait pas. Déjà, je vais ramasser tous les matériaux. Ça, c'était quoi ça? Ça brille. Boomerang, les ailes robustes. Bien entendu, mon inventaire est plein. Bouclier, les ailes en acier, ça on connaît bien. Et qu'est-ce qu'il y avait dans le coffre? De l'argent? Trident Gerudo! La grande taille des Gerudo leur permet de manier efficacement cette arme réservée aux soldats et dont le centre de gravité se situe au niveau des pointes. Mais on n'a pas de place. On n'a pas de place pour tout ça là. C'est un vrai trésor de guerre, mais on n'a pas de place. Alors déjà, je vais aller choper ce qui a dû tomber à l'extérieur, hein, très clairement. Arc les ailes robustes. Il fait combien lui? Arc les ailes robustes, 25. 25, mais après on a des trucs qui tirent deux flèches d'un coup et c'est plutôt pas mal. Me dites pas que leurs matériaux ont disparu du coup. Je serais un peu triste. Ah, là il y a quelque chose à aller prendre. Ne bouge pas, petite plante. Herbe piment. Ouais, d'accord. Eh bien, très bien. Du coup, ouais, du coup, leurs matériaux de monstres, ils ont disparu. Ça, je pensais pas. J'ai mis trop de temps. Il reste que leurs armes. Ça, c'est quoi? C'est des petits oiseaux, hein. C'est pas des matériaux de monstres, ça. C'est... Non, c'est des flèches. Ah, encore mieux, des flèches. Ça, j'ai toujours besoin de mes propres flèches. Tiens, ça c'est quoi? Un matériau de monstre. Ah, c'est peut-être juste que les matériaux ont volé dans tous les sens. Avec le boucan que j'ai fait, c'est pas impossible. Bah, dans tous les cas, je vais aller checker ces armes. Épée royale, le cadeau de la famille royale aux chevaliers, s'étant distingué par de valeureux faits d'armes, cette puissante épée est également une véritable œuvre d'art. Effectivement, et il y en a plusieurs.
Alors là, on va devoir faire du tri. Elle était à 36, je crois. Donc on va jeter ceci. On va jeter un de ceux-là. Je vais devoir me séparer de ça. Non, quand même pas. Une feuille c'est toujours utile, mais on pourra en récupérer une sur un arbre, je pense. Donc on va récupérer ça, épée royale. Épée royale. Elles sont vachement cool ces épées. Maintenant, ça c'est quoi? Un bouclier les ailes robustes. Divers morceaux de métal sont venus renforcer ce bouclier les ailes dont les bords sont hérissés de piquants. Attention à ne pas se faire mal. Non, on préfère les boucliers les ailes en acier pour le coup. Et pour le coup, bah, je vais quand même faire du tri, hein, parce que j'ai des boucliers faibles. Il serait temps de s'en débarrasser. Bah, de qu'un seul, hein, par contre. Hop. Je vais récupérer un bouclier les ailes. Ça sert à rien, parce que du coup, c'est celui que j'avais jeté par terre. Le bouclier Shaika, j'ai bien envie de le garder pour le mettre. Je sais pas, pour le conserver, parce que je le trouve vachement cool. Trident Gerudo, oui ça on avait vu, mais on n'a toujours pas de place. On n'a toujours pas de place. Un marteau. Non, on a toujours besoin d'un marteau. Ah. Le jour où j'ai besoin d'un Trident Gerudo, je reviendrai ici. Voilà. Dans ma cage d'armes. On appellera ça comme ça. Bon, maintenant, à mon avis, il faut retourner voir les. Ah non, il fallait aller voir. Voir Riju et Patricia. Mais d'abord, aller retourner voir la déesse quand même, ce serait cool. Il n'y a pas de morse quand on en a besoin? Je crois qu'il y en a un près de l'oasis. Donc, c'est pas trop grave. On va en choper un près de l'oasis. Salut! Pas mal cette épée. Arc de chevalier. Il est puissant, non, lui? Arc de chevalier. 26. Plus puissant que l'arc les ailes robustes. Du coup, voilà. Ah, mais du coup, on a le bouclier de chevalier et tout. La grande classe. Un vrai chevalier d'Hyrule. Bon, maintenant, si on pouvait avoir un. Non? Un petit morse, ce serait cool. J'ai besoin de retourner en ville. Où es-tu, petit morse? Il y en a toujours un dans les parages d'habitude. Pas cette fois. Trollolol. Quand on a besoin de vous, les gars, vous êtes pas là? Ah, bah si, il y en a un ici. Est-ce qu'ils s'enfuient vraiment quand je les approche? Normalement, je pense, hein, il faut les laisser tranquilles pour les saisir. Là-bas, il y a un Lysalfos qui veille. Ouais, fais comme si j'étais pas là, mon petit morceau. J'ai juste besoin de toi. Non, 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 ne t'enfuis pas! Ne t'enfuis pas! Au final, à lui courir après, je vais finir à la ville avant de l'avoir attrapé. Bon, très bien, il veut pas. On aura. Ah bon? Ah bah ça c'est nouveau par contre. Non! Pas du tout. J'ai quelque chose pour lutter contre l'électricité. Ah mais j'ai pas besoin. Quoi? Votre truc pour résister à l'électricité, D'accord, c'est juste résister un peu plus, quoi. Par contre, ça me tue quand même. Super. C'est une blague. C'est une très mauvaise blague. Non, mais sérieux, quoi. On est revenu là. Ah, là, je suis dégoûté. Là, je suis dégoûté. La prochaine fois, je penserai à sauvegarder. Ah, on doit se retaper ça, sérieusement. Mon infiltration de l'horreur. Ouais, bon, ils m'ont entendu, je m'en fous. Ah la vache, quoi. Tourne ta petite tête, mon gars, on l'a déjà fait, on sait le faire.
Allez, toi aussi, tourne ta petite tête. Mais à chaque fois que je les regarde, ils ont la tête dans le mauvais angle, quoi. Il n'y a qu'un angle à éviter, ils ont toujours la tête dans le mauvais angle. Là, la preuve. Les trois autres angles, ce serait bon, mais non, il est toujours pas... Hop, voilà. Ils m'ont entendu? On va se la jouer différemment. Je dis pas que ça va mieux marcher. Ça va beaucoup moins bien marcher. C'était pas prévu. Ah mais c'est pas possible, hein. La poisse qu'on a. Non. Laissez-moi tranquille. Oh là 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 là, attendez. Là on a la poisse depuis le début, c'est terrible. C'est l'épisode de la poisse là pour le coup. Bon, on leur a échappé. De peu. On a surtout bien foiré notre coup. Ne sortez pas, restez chez vous. J'ai dit ne sortez pas, qu'est-ce que vous avez pas compris? Est-ce qu'elle voudrait bien... Oh, magnifique. Magnifique. Là, c'était très beau ce qui vient de se passer. Je suis très content. C'est passé exactement ce qui devait se passer. Bon, maintenant, on va s'amuser un peu. Ah, ça en a touché un. Ça en a touché un. Il n'y a plus rien à exploser? C'est dommage. Allez, venez vous battre! Ah, je sais, la subtilité. Ça me réussit. Toi, tu vas prendre tellement cher, mon petit gars. Voilà. Alors, on sait déjà plus ou moins ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on va jeter ça. On va jeter ça aussi. Pour le moment, je vais m'équiper de lui. On a dit, il nous faut ça. Non, j'ai ramassé le boomerang, j'en veux pas du boomerang. Ça non plus, j'en veux pas. Comment ça, il y a des chauves-souris maintenant? C'était pas assez dur? Ah bah peut-être que je les ai tués sans le faire exprès tout à l'heure. Eh, je suis là mec, tu peux venir. Hein. Non? Eh oh. Bon, il va falloir se méfier. Tu veux pas te battre? Ouais, comme ça. Bon, voilà, très bien, parfait, ça c'est nickel. Mon dieu, un jour on va arrêter de fail. Ça se passera très bien. Bon, on sait ce qu'il y a là-dedans, je l'avais marqué sur la map. Et je vais le remarquer sur la map. Parce que je peux pas venir tout ramasser non plus maintenant. Boomerang, j'en ai pas besoin. Bon, du coup, j'ai l'impression qu'on récupère pas mal de matos, là. J'ai dit le boomerang, j'en ai pas besoin. C'est l'épée que je veux. C'est bien une épée royale. C'est bien une épée royale. Bon, ça s'est mieux passé que les fois précédentes, même si on n'était pas censé revenir ici, hein. Alors, leur matos et tout, ça a toujours disparu. Très bien. Bon, bah,
on le récupérera pas. Il y a toujours un morse des sables dans le coin. Bon, non, pas comme ça. On va devoir le surprendre. Est-ce que cette fois-ci, ça va marcher? On va bien voir. Bon, attendez. Là, il y a des melons glaglas là-dessous. Il n'y a pas. Peut-être parce que j'ai déjà récupéré, je sais pas trop. Les herbes volent, c'est cool, mais jusqu'à maintenant, ça m'a pas beaucoup aidé, hein. La résistance à l'électricité, c'est pas tel que je l'imaginais. Ça s'est un peu retourné contre nous. Allez, il me faut ce morse parce que là, la traversée du désert, c'était pas cool non plus. C'était pas comme prévu. Non, tu m'as pas vu, tu m'oublies, je suis pas là. Il se méfie. Voilà, parfait. Maintenant, t'accélères. On a besoin de se rendre quelque part, on est attendu. Alors si tu voulais bien arrêter. C'est tellement cool de pouvoir surfer sur son bouclier comme ça. Par contre, j'ai oublié de faire un truc. Voilà. Parfait. On sait qu'il reste une arme là-bas. Mais c'est fou que maintenant on puisse se faire attaquer par les Yiga comme ça, n'importe où. C'est génial, hein, mais c'est dangereux. Bon, là, il y a les chauves-souris électriques qui nous ont eu tout à l'heure. Un Lysalfos qui était sur notre droite, qu'on a aperçu vite fait. Mais nous, où est-ce qu'on doit aller déjà? Ah oui, par là. Par ici. Bon, on est enfin rattrapé, on est enfin là où on devait être, c'est déjà bien. Salut mon petit gars, tu peux vaquer à tes occupations, plonger dans la pierre si tu veux. Ouais, c'est ce qu'il a fait, il a plongé dans la pierre. Et nous, on est enfin au poste d'observation. Mais où est Riju? Est-ce qu'elle est en bas? Est-ce qu'elle est en haut? Elle est très certainement en haut, puisque c'est un poste d'observation, donc j'imagine qu'elle est en train d'observer. On peut pas rentrer là-dedans? On peut rentrer là-dedans. Eh, salut! Tiens, je ne pensais pas voir dans les parages une petite crevette comme toi. Tu penses vraiment pouvoir faire face à la créature divine? Quoi qu'il en soit, si la chef te fait confiance, c'est qu'elle doit avoir de bonnes raisons. Elle t'attend en haut de ce poste d'observation, rejoins-la vite. Eh, y a un coffre. Arc Gerudo. Les Gerudo se servent de cet arc habilement décoré pour atteindre leur cible de loin quand elles chassent ou combattent dans le vaste désert. Je n'en ai pas besoin. Mais merci quand même. Oh, la porte qui se referme pile derrière moi, c'est pas du tout creepy. Bon, il y avait une échelle par là. C'est bien ce petit poste d'observation au milieu du désert. Ah, bah oui, forcément, je suis monté sur l'intermédiaire, moi. Alors qu'elle, elle est toute en haut. J'arrive! C'est vachement haut, ton truc. Ça a pas l'air fragile du tout, en plus. Alors. Oh, c'est donc à ça que tu ressembles, normalement. C'est pas le genre de visage que nous sommes habitués à voir dans nos rues. Tu vois, Vanna Boris, elle est juste en face de nous. Ouais, effectivement. Nous allons devoir conduire des morses des sables pour nous approcher d'elle. Tu es prêt? Oui, bah aussi prêt que prêt, hein. Il va bien falloir y aller un moment ou un autre. Très bien. Eh bien. Attends deux secondes, je vais observer un truc. Pas de problème, préviens-moi quand ce sera le cas. Elle a l'air vachement grande quand même. Pas du tout imposante.